On va tout de suite faire les choses bien, parce que ce jeu est particulier, donc on va combiner mes balles avec mon chargeur. Voilà, comme ça, j'ai mes deux chargeurs qui sont bien remplis, et je me sens frais et protégé. Donc, allez, on y va. Je suis un peu stressé, là, parce que c'est là que je suis mort la dernière fois. Donc, il y a un zombie qui va venir de là, qui va venir de là-haut. Et il y en a un autre qui est sorti, je sais pas où. De je sais pas où et qui m'a chopé par derrière. Donc je vais me méfier un petit peu. Bon là il y a le zombie qui va descendre, c'est toujours ça. Donc de retour sur Démarre. Ouais, voilà, il est là. Et l'autre zombie qui est venu dans mon dos, mais je sais pas d'où il venait celui-là. Hein. Et je peux pas. Alors je vous rappelle. Je peux pas me faire toucher une fois. J'ai 5% de vie, putain. Regardez cette démarche, quoi. On dirait moi le matin. T'es mort? Mais... Putain, mais la flaque de sang, elle se fait jamais dans le bon sens, du coup je la vois pas. Alors attends. Ah, c'est elle! Oh, genre, c'est scripté! C'est scripté! Et c'est fait en sorte que dès que t'arrives ici, elle bouge! Ah, puis elle va vite, elle, hein! Fuck! Ah, merde, j'avais oublié. Pour recharger dans ce jeu, c'est différent. Ah, je suis encore dans les touches à la The Last of Us, moi. Hein. Bon, ok. Non, je suis revenu là. Il faut vraiment que je sois super prudent. J'ai plus de vie. Faut que je me trouve un truc à bouffer, quoi. Comment je fais pour courir déjà? Ah oui. Alors, courir, c'est ça. Et je crois que je peux courir de ma course. Voilà, je peux aller encore plus vite. Ok. Ah, mais... Là, l'hôtesse d'accueil, elle avait pas un petit sneakers? Que vraiment, faut que je mange un truc, hein. Voilà, tu vas pas te relever. Puis, en vrai... Genre, si un zombie venait à se relever dans mon dos, mais je l'entendrais même pas, ils sont méga silencieux. Je peux y aller, là, ou pas? Je ne peux pas encore quitter ce bâtiment, putain. Waouh, d'accord, ok. C'est ce genre de jeu, en fait. C'est ce genre de jeu où il y a des... C'est pire que des murs invisibles, ça. Genre, le mec a une force invisible qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Juste parce que le scénario l'a pas prévu. Bon. Alors. Ah, mais je serai là, mais je dévaliserai la machine. Bonjour. Il semblait bien qu'il y en avait un qui se relevait. Ah, encore heureux, la visée en fait, elle est vachement tolérante. D'ailleurs, même si je vise un petit peu à côté, mais c'est bon, le jeu va te dire non, c'est bon, tu l'as eu. C'est bon, il est mort là. Hein. Putain, mais la flaque de sang, ça fait vraiment pas au bon endroit, c'est super chiant. Oh là là, puis cette recharge. Alors je sais, c'est la recharge lente. Donc c'est normal que ce soit lent, mais ça me gaffe quand même, quoi. Bon, alors. Fichier crypté, X-accord, bio-génétique, indicateur de fichier, non. Serveur, je sais pas trop quoi, je sais pas. T'as trouvé un chargeur, sinon? Non. Non. Mais non. Mais j'ai toujours une arme. Attends, comment je fais déjà pour ouvrir mon menu? Oui, voilà. J'ai toujours... Plein de munitions, regardez ça, c'est pour ma mitraillette. Et je peux pas m'en servir parce que j'ai pas le chargeur de la mitraillette. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le mec, il est venu sur place, il a pas pris de chargeur. Mais... T'as d'une... Voilà, c'est bizarre de tomber sur ce genre de mécanique dans un jeu vidéo. Parce que c'est pas habituel. Mais en plus, si tu tombes sur un personnage qui est complètement con et qu'il faut pas... qui s'équipe mal aussi, voilà, quoi... Bon, il y en a bien qui va se relever. Waouh, et là, en vrai, je trouve que ça fait... Mais putain de merde!
Eh mais 5% de vie, je te jure, je vais les protéger comme je peux, hein. Vous avez vu? Pas de bruit, rien. T'entends, tu les entends, ils font un bah, mais pas toujours. Et voilà, donc je vous disais, si ça, ça fait pas Resident Evil, en plus, on dirait qu'il y a une énigme là, avec des tableaux. Ça aussi, ça peut être très Resident Evil, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Un portrait du dieu grec Arès. On dit que sa beauté n'avait d'égal que son appétit pour la violence. Ok, c'est un beau connard, ça existe. Un portrait du dieu grec Héphaïstos. Héphaïstus. Il vivait dans un volcan. C'était le dieu forgeron. Ça va m'aider dans ma quête, ça. Peut-être qu'à la fin, je vais devoir faire un exposé sur les dieux grecs et je serai très content d'avoir appris leur nom. Un portrait du dieu grec Chronos. Ah, mais ça, c'est une toile qui existe vraiment, je la connais, celle-ci. C'est le père de Zeus. Il a dévoré ses enfants de peur que l'un d'eux ne lui vole le pouvoir. Mais oui, j'ai vu ça dans God of War. Cours d'histoire, vous dites? Non. Un portrait du dieu grec Apollon, le dieu du soleil. Il a également l'avenir de l'humanité avec l'art, la poésie et la musique. Lui, c'est un dieu très polyvalent et fait plein de choses. Je sais pas s'il y avait plusieurs salaires, par contre. Alors, ça, c'est quoi? Je trouve plein de petits trucs, la fax, le Dr. Ware, indicatif de fichier HB817, je sais pas ce que c'est. C'est des fichiers cryptés, je ne sais pas ce que c'est. Il y a plein de sons à la con dans ce jeu. Entre l'espèce de bip là que j'entends tout le temps et les sons d'ambiance. Un portrait du dieu grec Pollux. Ah, comme le virus. L'un des dieux obscurs. L'autre étant son frère jumeau Castor. Fin pugiliste, on le dit immortel. Ah bah oui, Castor et Pollux. Je peux pas aller voir là-bas. Ça, c'est des images de Apollo, je sais pas quoi, ça. Je sais pas quelle mission c'est. Personne, là. T'as pas trouvé, toi, sur ta chaise? Non, t'as l'air un peu maigrichonne, quand même. Ou maigrichon, je sais pas. C'est difficile à dire, là. Ah, d'accord. Ok. Vas-y, ferme la porte, je sais pas. Restaurer les mots de passe. Tu veux pas te restaurer, toi? Putain, il va y avoir un truc à faire avec les dieux grecs, ici. Mais vous êtes mal. Oh non. Je suis désolé. Le scénario, alors, en plus, tout pourri. Je vais pas lire 6 pages d'un texte aussi bien fourni, quoi. Et encore un fichier crypté. C'est quoi, ça? Une machine à écrire ancienne et élégante. Voilà, on est peut-être aussi un petit peu dans la référence. Hein, les machines à écrire, ça, Resident Evil, sauvegarde, tout ça, non? Surtout qu'elle sert à rien, elle est juste là pour être là, en fait. D'accord. Illuminez l'obscurité, et qu'importe la tempête, il viendra vous sauver. C'est pas Apollon? Mais... Il est où le L là-dedans? C'est ça? Non. Recopie les symboles qui sont dessinés sur le clavier. Mais justement, je vois pas le A. Enfin, le A, c'est pour moi, c'est celui-là, mais... Ok, donc fallait écrire, c'est ça, fallait écrire Castor.
Bon, bah merci pour la réponse, j'aurais jamais trouvé de toute façon tout seul. Mais en vrai, le jeu ne te fournit pas une référence pour savoir comment écrire ça? Donc alors attends, mais même là, pour le recopier, je galère. Ça? Bah, c'est celui-là, no. Il y a des espèces de tentes. Je sais pas si c'est ça, hein. Je sais pas si je recopie bien Y. Il est où le Y? Il est là. Et E. Ah, c'est trois barres en fait. Ah, ça? Peut-être. Ouais, c'est celui-là. Long et périlleux fut le voyage des Argonautes pour entrer en sa possession. Et là, putain, j'ai un mot qui est juste énorme, quoi. C'est quoi? Golden Flex? Ah oui, c'est le Golden Flex, donc c'est le truc de Castor et Pollux, là, dont il parle sur le tableau. Oh. Alors, c'est ça. Alors là, il y a deux symboles là sur ton truc qui me dérangent un peu. Il y en a un autre, après, c'est une tente, mais pleine. C'est-à-dire, il y a un. Ah, c'est celui-là, c'est le triangle, quoi. Ouais, c'est ça. EN, bien ça. Un espèce de rond barré, il est là. Ah, le retour de la tente. E, X, E. E, E, X, E. Leap to mission control. If you can hear me, I've just restored C'est the sérieux? facility passcodes from the Matrix. I'm in the process of gathering the 731 sensors and data off. Putain. Alors vous avez vu qu'à un moment il a baissé son arme? Et ben j'avais toujours la touche appuyée. Je sais pas pourquoi il a baissé son arme, ce trou de balle. Récupérer l'échantillon du virus. Ben oui, on va faire ça. Eh bah putain, ouais, je suis bien content d'avoir choisi ça comme jeu, tiens. Bon, allez, je suis bon pour refaire toute cette petite énigme à la con. C'est toi là qui te relève? Mais je peux pas le tuer tout de suite? Tiens! Tu vas te relever maintenant? Hein? Ah, y a pas... ah si, une tache de sang. Donc ouais, ok, bon. Eh ben, je pense que, en l'ayant tué maintenant, je devrais être tranquille. Allez, on va se retaper tous les codes. Hop. Ouais, non mais ça va, il va pas se réveiller du coup, lui. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, logiquement, il devrait sauvegarder, puisque tout à l'heure, ça a corrompu ma sauvegarde, puisque... bah ça a sauvegardé ici au moment où j'étais mort. Ok, j'aurais pas à refaire cette putain de phase de mort. Ok, parfait. Donc je... qu'est-ce qu'il faut faire que je fasse maintenant? Je me casse? Mais donnez-moi de la vie, putain! Mais pourquoi le jeu refuse de me soigner, quoi? Alors... on va se méfier un peu, je sais pas où aller. Est-ce que cette porte se serait ouverte? Ou c'est pour après? Je ne peux pas encore quitter le bâtiment. Ouais, ok. Si tu veux. Ce qui fait que moi je dois prendre l'ascenseur alors, c'est ça? Personne ne va se réveiller ici? Non. Je pense que c'est ça. Je dois récupérer cet échantillon de Pollux? Bah je dois aller où alors?
Eh putain, tu m'as trop fait peur. D'où tu sors? Bon bah merci bébé, au moins grâce à toi je sais où aller. Tellement fait peur. Ok. Non, il est encore en vie. Je voulais recharger mes trucs. Voilà, il saigne de la jambe, parfait. Bon. Ouais, 3 balles dans mon chargeur, on va recharger. En vrai, ça aurait pu être intéressant comme système, juste que c'est mal branlé et que ça t'oblige à toujours le faire, en fait. T'es toujours en train de surveiller ton arme. Bon, et du coup, vu que ce zombie sort d'ici, j'imagine que c'est là que je dois rentrer maintenant? C'est ça, maintenant je peux rentrer ici. Là, la porte est toujours fermée. Lui, j'avais trouvé une cassette, mais je sais pas, je peux pas l'ouvrir apparemment. Bah, je veux dire, dans mes fichiers, j'ai bien une fichier audio, mais no data, donc je sais pas pourquoi. Ah si, en fait, mais je peux le lire ou pas? Non, 0 sur 0. Ouais, non, bah, je sais pas. T'as réveillé, toi, là? Alors, encore un fichier crypté, très bien. Je sais pas si ça marche, ce que je suis en train de faire. Surtout si je le fais au corps à corps. Donc il y a une petite cellule. Oh putain, je viens de comprendre un truc. Nightmare, Daymar. Oui. Night, day, jour, nuit, tout ça. Merci. Alors, c'est quoi ça? Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas accéder au terminal. Mais je m'en fous, moi je veux que tu récupères ça. Voilà. Câble prioritaire. Alors donc ça c'est les câbles pour pirater les portes. Ah, Pollux! C'est bon, j'ai Pollux! Mais j'ai toujours pas de vie, putain! Mais c'est un prodige en vrai. Je veux dire, c'est pas normal que le jeu veuille pas que je me soigne. Quel connard, il m'a fait peur en vrai. I've retrieved the 731 samples. Now I'm heading over to the server room to gather the search data. Over. Understood. We're having trouble with the comm system. To make matters worse, this storm isn't getting any less wild, and the loads are being pushed. Ils sont où en fait, eux? Ils sont toujours dans leur hélico? Ah, c'est bon, je peux passer. Bon, enfin de la progression là dans ce jeu. Alors par contre, sans votre aide là pour les caractères en grec, j'y serais encore. Ça m'a vraiment saoulé. C'est vraiment pas une bonne idée en fait de faire des énigmes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, cinématique, attention. Petite cutscene. Hey you, drop your gun and let me see your hands right now. Sorry. I thought you were one of those dead, melted thingies that killed the others. Yeah, well, I ain't. And you almost got shot in the head, whoever you are. You know, I'm no threat to you. My name's John. John Fay. I work for Aegis in the Information Science Department. Well, mostly in the server room. I've been hiding down there for hours. Since all hell broke loose. All communications are down. And I didn't think anyone would risk their lives to actually save us. What the hell happened to this place? I'm not sure exactly, but I don't think it was accidental. How do you mean? Well, I can access anything via the server. The security system, surveillance cameras, and naturally, the personnel files of all the Aegis employees. I've been trying to reconstruct exactly what went wrong. And actually,
You'd be amazed at what somebody can achieve down here in just a few hours. Anyway, I think it's safe to say that one of our own stole some research and covered the whole up as an accident, obscuring all evidence of their damnable theft. Huh. You don't say. I'm gonna need that fancy ID card of yours to access the server. Well, why? Why do you want to access the server? I thought you were actually here to rescue us. Technically, those were your words, not mine. Sorry, bud. Orders are orders. But what about the others? All the survivors in the building? You're not gonna let us die here. Nah, you're right. I guess I can. I mean, especially you. Oh, what the heck. I'll lend a hand. Mais c'est vraiment un connard, lui. Ça manque quand même un petit peu d'émotion, hein, de, voilà, les animations faciales, tout ça, c'est pas top top top. J'étais en train de me dire que si mon personnage a un masque comme ça, c'est probablement par rapport à Hunk, le personnage de Resident Evil. C'est quoi ça, email? Oh putain, mais c'est extrêmement petit, comment vous voulez que je lise ça? K vous donne son feu vert pour récupérer ce dont nous avons parlé plus tôt. Bon sang, où étiez-vous passé? C'est une conversation Skype, en fait. Ça fait 2 jours que j'attends la confirmation. J'étais sur le point de tout annuler. Nous avons dû prendre un maximum de précautions pour garantir le succès de la mission. Vous n'êtes qu'un élément d'une stratégie bien plus large. Écoutez, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Un général haut gradé de l'armée arrive cette semaine et ils augmentent le niveau de sécurité. Il me faut plus de temps. Vous n'avez pas plus de temps. On ne peut pas se le permettre, un nouveau report. Des mesures ont été mises en place pour gérer ce type de situation. Continuez comme prévu. Je risque ma vie ici, la perpétuité sans conditionnel, voire l'exécution. Dans des endroits comme celui-ci, la trahison est punie de façon peu conventionnelle. J'ai besoin de plus de garanties, ou au moins d'une autre avance sur le règlement final. Donc John, c'est lui, hein. C'est celui qu'on vient de tuer, non? Ah non, il n'y a pas marqué John, c'est Job. Je sais pas, j'arrive même pas à lire, quoi, c'est trop petit. Vous avez déjà eu plus d'argent que nécessaire en dédommagement de vos problèmes. Officieusement, je vous conseille de respecter le plan de K, où une exécution rapide sera le cadet de vos soucis. Ok, bon. Très chère Alma, ça y est, l'opportunité que j'attendais est enfin arrivée. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi quand je vous dis que nos vies vont changer pour le mieux. Je peux enfin quitter cet endroit et vous accompagner où vous le voudrez. Il faut vivre l'instant présent, n'est-ce pas? C'est risqué, bien sûr, mais ne vous en faites pas pour moi. Je sais très bien ce que je fais. Je reviendrai vers vous au plus vite, tendrement, votre J. Donc John, ça doit être lui. Il en a rien à foutre, c'est terrible. Oui, bah, c'est comme la dernière fois, il a tué le mec de la sécurité, là, le Black. Il s'en fout complètement. Hein. La purification a commencé. Échappez-vous du centre de recherche. Evacuation sequence activated. Bon. Je regardais s'il n'y aurait pas un petit peu de bouffe là quelque part. Peut-être que John en planquait dans son bureau, mais apparemment c'est pas le cas. Donc m'échapper, ok. J'imagine que là j'ai juste à courir vers la porte que j'avais vue et ça devrait aller. Parce qu'il y avait plein de cadavres en fait. Donc ils sont peut-être réveillés en fait. On va courir. Ah mais il y a un rideau. Mais il y a un rideau putain. D'accord, c'est ce genre de phase. C'est ce genre de phase. Oh, d'accord, les rideaux se sont fermés. Putain! Vous êtes sérieux? That was supposed to save the last.
Mais en vrai, vous êtes malade! J'ai pas de grenade, moi, dans ce jeu-là! Et puis, ils ont bien fermé les rideaux, là-bas, hein, les enfoirés, quoi. Là, je peux aller nulle part que rester dans cette pièce. Je suis obligé de rester dans cette pièce. Vous êtes malade, vous êtes fou. Regarde-le en train de courir, là. Ceci dit, mon perso, quand il court, c'est pas le top non plus. Appuie, là. Putain, mais votre jeu, il est pas possible. J'ai 5% de vie, putain! Ah non, mais c'est trépidant, trépidant! Je suis pas mort, je sais pas comment j'ai fait. Allez, il va me charger. Allez, cours! Mais cours! C'est bon! Je dois pas mourir. Allez, vas-y, dépêche-toi, putain! Oui! Oui! My pawn moved admirably through the AG's lab. And with just a few bad moves, the game proceeded ahead. Unfortunately, I underestimated the fierce loyalties of those no-good Hexacore players. It was the most incredible fight I ever saw. He just grabbed the guy, bit his ear off, and spit it on the mat. How often does that happen? During a boxing match? Never. HQ here. We read your signal on beacon. You're less than 30 minutes from base. Acknowledge. This is Sandman, actual... Oh mon dieu! Commencing final approach procedures... Ah, ces expressions, quoi. Inside of the others. Over. Negative, Sandman, actual. Epsilon has gone out with their MIA. A special unit is being deployed to secure the site and evacuate survivors as soon as possible. Over and out. We should have waited after all. Not a chance. There's no way the carriers would have withstood that storm for a moment longer. Besides, I didn't come all this way to fail. Fail? Right. You know, for a second there, I forgot how you do things, Major. You sit there, all ladylike to keep that immaculate uniform or spick and span while real soldiers go into battle. Too bad it has to be at the expense of real men with bona fide families. Yeah. Fucking crimson skulls, man. You're all the fucking same. I can see why you chose this boy to be your sidekick. You've both got a lot in common. For starters, just think about it. You're both cowardly little bitches that leave comrades to die. What did you just say to me? You better watch your fucking mouth. Knock it off, you two. Epsilon or no Epsilon, our orders stand. He's right. You squawk way too much. Listen carefully, David, because I won't repeat this again. I know what it's like to lose somebody and not be able to do a goddamn thing about it. But you can't go on blaming yourself. You made a judgment call on that plane. Otherwise, you'd both be dead. And I think he would have done the same in your position. Are we clear? If you say so, Major. It's just... every time I close my eyes, I can still see him. He's burning up and screaming for me to somehow help him. Can't. I know, but sometimes you just gotta move forward. Let go and focus on the present moment. You cut through that storm with your fangs out. You got golden hands, kid. I'm impressed. And now that your scars are more or less healed, I'm sure you go back to flying solo any day now. Fuck me.
Hey, Major. You looking to lose the payload now that we're so close to base? God damn it. Raven, take the controls. I'm gonna go check and make sure supports are secure. That storm really pushed them to the limit. Yes, sir. Fuck's sakes, kid. Your file says you're the real deal. Took an SR-91 from the Aurora program to hypersonic Mach 6. That's a hell of a lot more than most pilots can say. By all rights, you should be able to fly this toy with your eyes closed. You know, I pushed for you to join the Skulls, even after what happened at Dryden. Only place I want to see you falling is on the mat after our bouts. Okay. Now, focus, and keep this bird up in the sky. You got it, Major. I won't let you down. Putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà. Fort Vermillion. Oui, parce que du coup, le jeu alterne... entre les personnages jouables. A priori, il y en aurait que... Enfin, il y en aurait trois. Et l'un d'eux, bah, c'est ce garde forestier qui est là. This is Sam Walker. I'm out at the game tower at Hunter's Pass. Come in, over. Keenside Police, Kenneth speaking. Go ahead, Sam. Oh, hey, Ken. I don't want to rain on your parade, but some chopper nearly took my head off not 5 minutes ago. Do you know anything about that? Over. Right. Sorry, Sam. Those big shots called in last night to schedule transport passing through the area. Night exercise or something. In and out. Real hush-hush. You should be safe to go back up there. Just keep your head down. I read you, Ken. Although next time, you know, I'd be mighty grateful for any notice. Over and out. Hey, baby, it's me. Sam? Sorry, I was out at the generator. You usually don't call this late. The generator. Oh, yeah. I remember to turn off the lights in the house. Otherwise, you'll have to refuel again before daybreak. I know. Sam, I'm not sure if I'll ever get used to living out in these woods. It's just so isolated. So, why'd you call, baby? Need help booking some rest while you were coon? Funny. You know, maybe. I'm still on duty. Listen, I was just on the radio with Kent, so I thought I'd check in on you. And... I feel bad about not being able to take you to the Cherry Blossom Feast. I know how much it means to you. It's just... Well, you know how the night shift works. I know all too well. Ken, did something happen? No. Nothing to worry about. I just had a near miss in the tower involving some bozo in a helicopter. And... Hold on a second. Shit! I can't find my meds! I must have dropped him when that chopper went past. God only knows where they ended up. That's not good, Sam. You know you need those for... Don't start that again. I'm fine. I can manage it. I've been living with this for a long time now. Sam, you know what happened the last time you didn't take them? How could I forget? With you constantly reminding me. Listen, I gotta go, baby, okay? Don't worry about a thing. It's just a few more hours. Go to bed and get some rest. I'll be home in the morning. I love you. I can manage it. I can manage it. Just like last time. Major! What's going on here? David, help me, please. Go through, please. Put the weapon down. No fucking way. Talk to me, sir. What the hell is going on? Pollux. He broke a vial in my face. Enough chatter. Step away from him right now.
Displeasure of serving under you, Major. Oh, and don't worry. I'll take care of these. Farewell. What? Son of a bitch! Oh, shit, didn't see that coming. Ugh. Ah, alors peut-être que ça va être un peu plus intéressant que les complexes de labo là qu'on a vu juste avant, puisque oui, il y a une ville dans ce jeu normalement, et c'est ce qui m'attirait le plus en fait. Alors après avoir sauté de l'hélicoptère, c'est quoi ça, 4 RGO Delta, l'agent spécial Liv, qui est un gros connard, mais ça on l'avait un peu pressenti, émerge à peine des eaux de Kinsight Bay lorsqu'il aperçoit l'appareil. Visiblement hors de contrôle, se dirigeait derrière les bâtiments de la ville avant de plonger vers une montagne voisine. Alors qu'il gagne le rivage, le gaz volatile Castor qui se trouvait à bord de l'engin s'échappe et atteint les rues de la ville où il fait ses premières victimes. Une fois le port atteint, Liv devra rapidement trouver un abri pour éviter d'être infecté. D'accord, donc... on va avoir des... Ah putain, puis on rejoue lui ! Et on va avoir des villageois partout infectés quoi. Mais j'ai aucune empathie pour ce mec, pourquoi on joue ce gars là? Je pense, ah putain mais merde, mais je dois me grouiller? C'est sérieux? J'ai une jauge de masque. Bon, on va juste se dépêcher. Les environnements sont pas moches, mais voilà, il fallait bien que je trouve au moins une qualité au jeu. Et je trouve que là-dessus, ça va, il se défend plutôt bien. Mais alors, il a... Faut pas chercher d'autres qualités, hein. Il n'en a pas beaucoup d'autres. Ah putain, ils sont là, les zombies. En vrai, par contre, dans la ville, comme ça, ça pourrait être intéressant. J'ai mon arme ou pas? Ah. Oui, on va recharger la manette, on va recharger. Alors, hop. Bah, je me dépêche quand même un petit peu, putain. Ah, mais merde! Heureusement, j'ai été soigné, hein. Ouah, mais les autres, mais... Allez, vas-y, rentre. Ok, c'est bon. Je pense que là, je suis tranquille. Je pense que, du coup, je vais pouvoir être à l'abri du gaz. Non, même pas. Ah, si, c'est bon, d'accord. Bah, du gaz, oui, mais pas des zombies, en fait. Je sais... Ah, mais j'ai plus de balles. Vas-y, recharge, s'il te plaît. J'ai encore des balles, dis pas... Ok, et là je vais en profiter du coup pour justement recharger mon arme. La révolution du JV, avec des zombies dedans. On n'a jamais vu de zombies dans un jeu vidéo, c'est trop rare. Alors, combiné. Hop. C'en est ça là? À pointe creuse. Ouais, c'en est, mais c'est des... C'est des balles un peu différentes en fait. Ok. Et je suis toujours pas capable évidemment de tirer avec mon... Ma mitrailleuse. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là!
donc je pourrais pas aller à l'étage, il y a tout un bordel. C'est des photos de famille les plus glauques que j'ai jamais vues en vrai. Ah, il va y avoir des choses bizarres ici. Oh, ah, c'est de la bouffe. Barre énergétique. T'avais pas de la petite pizza là qui est là? Putain, moi je l'aurais pris, j'avoue. Ok. Bon bah lui, au moins, je sais qu'il ne se relèvera pas. Ah, une niche. La niche de whisky. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un casque. Fait avec une passoire et tout, ça doit être un... Ça doit être une sorte d'easter egg, ça aussi. Je sais pas à quoi. Peut-être à Silent Hill, je me souviens pas. Et peut-être la fin extraterrestre où il y a un casque comme ça. Je me souviens plus du tout. Bon. Alors effectivement, maintenant qu'on est arrivé en ville, c'est déjà un peu plus agréable pour moi. Bon, après c'est pas foufou non plus, hein. J'ai que très très peu de plaisir à jouer à un jeu comme ça. J'ai combien de balles là dans mon chargeur? 3. Non, ouais, mais non, mais ça c'est cool par contre, la petite banlieue américaine comme ça. Oh, il y a une espèce de... Il y a un brouillard de guerre, je sais pas pourquoi ici. Mais ça me plaît. Ah. Alors, peut-être qu'effectivement les munitions à pointe creuse sont un peu plus puissantes, parce que j'ai pu le décapiter tout de suite, celui-ci. Alors, attends. Pointe creuse. Alors, j'ai celle-ci, on va les utiliser en premier, histoire de me libérer de la place. C'est vraiment un système tout pourri. Je l'ai dit, il y a de bonnes bases, hein. Je comprends à peu près ce qu'ils ont essayé de faire, mais... C'est que ça te ralentit trop, alors que toi, tu essayes déjà de trouver du plaisir pour jouer à ce jeu. Ouais, il y a plein de zombies là. Je tenterais bien un petit run. Ah ouais, non, mais les balles à pointe creuse là, c'est vraiment cool. Je peux rentrer dans les maisons ou pas? Ah, bien sûr que non. Par contre, il y a des balles. Donc ouais, il faut un petit peu fouiller partout. Il y a cette tête qui a fait quelque chose d'assez rigolo. Oh putain, mais... Ouais, il faut que je me dépêche, mon masque. Là, j'ai juste un zombie en feu. Ça va, tu vas me foutre la paix, toi. Où est-ce que je dois aller? Putain! Là? Là? Non, là, il y a un brouillard qui m'empêche d'avancer. Là! Ok, c'est bon, je l'ai. C'est ça? Je peux y aller ici quand même. Oui, c'est bon. Vite, vite, vite. Oh. Ouh, il y avait tellement de zombies derrière moi. J'ai eu un peu de chance là, de voir cette porte. C'est particulier. Comme phase de gameplay, c'est-à-dire ils sont pas contentés de te permettre juste de jouer en ville. J'ai ajouté cette espèce de brouillard qui t'empoisonne petit à petit, enfin qui te contamine petit à petit. Pourquoi pas après tout. Mais moi je trouve ça dommage que ça m'oblige à me dépêcher. J'aime pas me dépêcher. Je suis parvenu à faire des copies des documents les plus confidentiels de la corporation.
et je les ai stockés dans mes archives personnelles afin de ne pas oublier la combinaison du verrou. J'ai fait en sorte que les livres de la bibliothèque au 12e étage m'aident à m'en rappeler. D'accord. On est peut-être dans la maison d'un mec qui bosse pour les méchants ici, et le verrou il est là. D'accord. Ça là, c'est quoi? Un fichier crypté. Or ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est probablement des collectibles. Par contre, ça, je l'oublie un peu, mais parmi les qualités de ce jeu, on a les dégâts localisés. Et les imputations. Non, en vrai, ça, ça me plaît, c'est pas mal. Ah merde, on dirait une photo qui est issue d'une série ou d'un film, là. Le mec devait se sentir très très seul chez lui. Alors, voilà le... La fameuse bibliothèque. 3, 5, 6. Ouais, bah ouais, 3, 5, 6. J'ai manqué un screamer. 3, 5, 6. Alors, par contre, je ne connais pas l'ordre dans lequel il faut les rentrer, mais j'imagine que c'est comme ça, hein, 356... Non ? Ah ! C'est peut-être un peu plus subtil que je le pensais... Ah, mais non ! C'est 3, 6, 7, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, 3, 6, 7... ...367, donc... Non ? Il manque certains livres. Ben ouais, mais... Comment je suis censé... Bon, après, hein... Il y a que 3 chiffres, ça va pas être très difficile de connaître la combinaison. Donc 3, 7, 6, on va essayer. Ok, ça ne commence pas par 3. Alors essayons 7. 6, 3. Donc ça commence par 6. Ça y est. Ok. Alors des balls. Vas-y, récupère ça s'il te plaît. Ouh, toi tu vas te réveiller, non? Ah putain, ça y est, on revient en ville. Avec le gaz de merde là. Ah là 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 là. Je vais peut-être rentrer à l'intérieur, histoire juste de reprendre un peu d'air. Parce que oui, j'ai pas pensé à me... Je peux y retourner, mais vous êtes sérieux ?
Movio ne peut y retourner, mais pourquoi? T'es bien plus à l'abri dans la maison, espèce de trou de balle. Ah, je suis lièvre, je suis méchant. Et je suis con. Eh oui. C'est mon drame. Alors, ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est le genre de garage. Garage américain où ils ont emménagé un bar, un truc comme ça. Vas-y, mais putain, y a un truc à récupérer là-dedans, quoi. Non, y'a rien, en fait. Mais y'a quoi? Voilà, non? Non, de temps en temps, je sais pas, j'ai le... l'interaction qui apparaît. Ouais, bon, je pense qu'il y a rien. Alors, ah mon dieu, les mecs... Invader Station. Les mecs sont très fiers de leur jeu. Oh, Half-Life 3, oh mon dieu. Personne n'a jamais fait de... The Something au lieu de The Thing, évidemment, Ghost. Ghost, c'est quoi cette affiche à la base? Je sais pas trop. Personne n'a jamais fait de référence à Half-Life 3, n'est-ce pas? Ça s'est jamais vu. Aucun jeu vidéo. Je veux dire, et puis si un studio le faisait, c'est que... ce serait un studio très peu inspiré, non? Bon. Non, tu veux pas fouiller, frère. Ok. Franchement, ça se fait pas. Il y a des règles quand même. Tu peux pas placer un zombie derrière une porte. Et le laisser te bouffer comme ça gratuitement. Allez, retour à l'extérieur. Oui, c'était... c'était arrangé un petit cinéma là. À ciel ouvert. Tranquille. Ah, des rats. Oh putain, mon dieu, que les rats sont mal animés. Enfin, ils sont pas animés du tout, en fait, les rats. Oh là là. Allez, dépêche-toi, putain! Des fois, ils ont la tête qui part un peu en couille, c'est très rigolo. Oh, bah, je pense que du coup, là, c'était plus en référence aux médias d'horreur ouais, des années 90. Et pour le coup, c'est bien réussi. Hein. Ce genre de petits effets musicaux. Ah, on va avoir le droit de jouer notre copain le Firewatch, comme on dit en français déjà. J'ai dit en plus tout à l'heure. Un garde forestier. Et je sais pas, oui, j'ai vu tout à l'heure. Je sais pas si je vais trouver une tortue à mettre dans un carton comme dans Firewatch. Feels like it's gonna explode. Why didn't the guy in rotation wake me? D'accord, et toi tu sais faire quoi alors comme personnage? Ah ouais, d'accord, c'est bien ça. Je joue. Oh, yeah. Today it's up to Cooper. Je joue comme Sam, c'est ça? C'est comme ça qu'il s'appelle Sam. Tu es armé Sam ou pas? Sam n'est pas armé pour le moment. Je suppose qu'il va l'être très bientôt. Je pense que tous les zombies là qui sont aux environs vont lui arriver sur la tronche. Oh putain! Oh, sérieusement? Ah oh, ouais, je m'en souviens de ça. Vous savez quoi? Je sais pas si vous le voyez bien. Mais ça là, c'est une vraie couverture. Hein. C'est une vraie couverture. Il y avait des journaux à scandale qui sortaient ce genre de trucs. C'était des histoires fausses. Je m'en souviens, il y avait genre le fantôme de mon chien a sauvé mon fils de mon incendie, un truc comme ça. Et il y avait ça.
le gamin chauve-souris trouvé dans une grotte. Et cette image me terrifiait quand j'étais môme. Elle me faisait me chier dessus parce qu'en fait, vous savez, quand tu vas dans son bureau de tabac, ils la mettent souvent, elle est accrochée sur une porte, un truc comme ça, voilà, ils mettent la une. Et il y avait ça. Tu le voyais partout. Ça me terrifiait. Je crois que chez nous, ça s'appelait un truc genre le nouveau détective, un truc comme ça, ce journal. Et c'était la même putain de vraie photo. Alors évidemment, depuis, ça a été... évidemment, hein. Ouais, vous vous doutez bien que le gamin chauve-souris, il n'existe pas, hein, que c'est un montage. Mais on en avait beaucoup entendu parler à cette époque-là. Et du coup, je crois, ouais, ça doit être très raccord avec la période. Hein. Je pense que les mecs se sont fait plaisir. À part pour Half-Life, qui du coup n'a rien à voir avec les années... l'année 98. Là, c'est le genre de journaux que tu pouvais retrouver à cette période. Le Gorafi de l'époque. Ouais, en plus trash. Ils allaient chercher leurs infos. Enfin, disons que tu regardes le Gorafi aujourd'hui, ce qu'ils disent te paraît insensé, mais à côté de ça, c'est du pipi de chat, tu vois. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Alors... Bah, je l'ai dit, il n'y a rien qui va dans ce jeu en vrai, mais j'ai quand même pris plus de plaisir là, durant cette partie, avec l'arrivée en ville, en fait. Voilà, déjà, je me sens plus inspiré par des décors comme ça. J'espère juste ne jamais revivre des phases telles que j'en ai vécu juste avant. Genre, plus de vie, et une armée de zombies qui me fonce dessus, et je dois les esquiver. En attendant que quelqu'un m'ouvre la porte. Ça, par contre, c'est non. C'est même laid à voir, tu vois. Enfin, vraiment, il n'y a aucun honneur dans ce que j'ai fait. Donc voilà, j'espère retrouver un peu de plaisir là pour mes prochaines parties. En me baladant un peu en ville, j'espère qu'on va y rester, en fait. Voilà. Je suppose qu'on va visiter quelques immeubles, des choses comme ça. Mais là, passer de maison en maison, en me dépêchant à l'extérieur pour pas me faire contaminer, bah... C'est dommage parce que, comme j'ai dit, j'aime bien visiter, mais ça passe. Puis le jeu est tellement moche que j'ai pas envie de le visiter, de toute façon. Donc ouais, allez, ça m'a un peu plu. Hey, c'est pas mal. Donc, rendez-vous la prochaine fois pour du DMR 1998. J'espère que ça vous a plu quand même. Je fais des bisous, puis à bientôt. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir, et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon YouTube. Le lien est en description. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.